Ariège Très Haut Débit, directeur général. Ariège Très Haut Débit est une société implantée à Foix. Nous sommes au 7 Terre Avenue de Ferrières, dans un bâtiment hébergé par Orange. Nous louons des mètres carrés. Ariège Très Haut Débit est une société de 4 personnes. Moi-même, donc Nicolas Hureau, Arnaud Matasti, mon adjoint, directeur général adjoint, un directeur administratif et financier, Thierry Guillolot, et Guillaume Hammer, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est notre assistant communication, et que certains ont déjà pu croiser, notamment lors des réunions publiques. Ariège Très Haut Débit est en charge du déploiement de la fibre optique sur le département. Nos actionnaires sont à 50% l'entreprise Orange, opérateur de télécommunications évidemment bien connu en France, en Europe et dans le monde. Et depuis fin 2021, 3 nouveaux actionnaires que sont EDF Invest, la Caisse des dépôts Banque des Territoires et l'assureur CNP. Ariège Très Haut Débit est en contrat avec le département de l'Ariège. C'est ce qu'on appelle une délégation de service public qui a une durée de 23 ans, qui a été signée en 2018 et qui donc va courir jusqu'en 2021. Donc voilà, sur l'écran derrière moi, on peut apercevoir un petit peu la structure avec d'une part une relation très très forte, quotidienne et même plusieurs fois par jour avec le département de l'Ariège, qui, on le verra un petit peu plus tard, je vous l'expliquerai, construit aussi une très très grande partie du réseau fibre optique destiné à alimenter les Ariégeois en connexion FTTH. Et puis donc tous nos actionnaires, Orange, la CNP, la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts et EDF Invest. Nos clients sont les opérateurs de télécommunications. Je dis parfois que Ariège Très Haut Débit, c'est un peu le Rungis de la fibre optique. Nous ne vendons pas des fibres optiques aux clients particuliers, monsieur ou madame Dupont qui habiterait à Moulis ou à la Bastide de Lorda, mais simplement nous vendons des prises FTTH en gros, par paquet de 1000, de 5000, de 10000, à des opérateurs Orange, SFR, Bouygues, qui sont aujourd'hui présents en Ariège, qui eux-mêmes après les revendent au détail. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Les gens qui souhaitent s'abonner à la fibre optique en Ariège doivent absolument contacter leur opérateur quand ils sont éligibles. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment, sur notre carte, pouvoir savoir qu'on est éligible, pour ensuite souscrire un abonnement et avoir un technicien qui se déplace à leur logement pour réaliser les 10, 20, 50 derniers mètres de fibre optique, ce qu'on appelle le raccordement à la fibre optique. Alors pourquoi Free n'est pour le moment pas présent en Ariège? Et bien simplement parce que nous avons un devoir de neutralité vis-à-vis des opérateurs. Nous devons fournir le même service aux mêmes conditions tarifaires à tous les opérateurs qui souhaiteraient venir s'installer sur notre réseau. Et pour le moment, Free n'a pas accepté les mêmes conditions, notamment tarifaires et de durée de droit d'usage, mais nous espérons toujours pouvoir convaincre cet opérateur de venir s'installer et fournir son service FTTH à tous les Ariégeois le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qu'un réseau FTTH? En fait, c'est quelque chose d'assez simple. Il s'agit notamment à partir d'infrastructures existantes de relier chaque maison, et nous irons voir tout à l'heure un peu sur le terrain, on fera une petite visite technique, sur quels équipements sont connectés ces maisons. Donc chaque maison sera reliée à ce qu'on appelle un central téléphonique, un nœud de raccordement optique, avec des fibres optiques qui vont se regrouper petit à petit. On a d'abord des câbles avec 2, puis 6, puis 12, 24, 48 fibres optiques qui vont devenir de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on se rapproche du central téléphonique. C'est un petit peu par analogie ce qu'on constate sur les routes avec des grandes artères, des autoroutes, des artères un petit peu plus petites que sont les routes départementales. Et puis après, ben, on finit par des communales pour arriver devant chaque logement. Ben, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Nous avons des grandes artères qui partent des centraux téléphoniques et qui se divisent petit à petit en des artères plus petites pour aller desservir chaque maison. Donc ça, c'est très important. À partir d'infrastructures existantes, on va essayer de réutiliser au maximum le génie civil, mais aussi les infrastructures aériennes, les poteaux qui sont déjà en place, pour construire ce nouveau réseau qui va être utilisé ensuite, probablement pendant les 50, 100 ou 150 prochaines années, puisque aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que la fibre optique pour amener avec les meilleurs débits et les temps de latence les plus faibles le service à tous les foyers, service qui va ensuite servir pour du télétravail, de la consultation en ligne, des loisirs, des jeux vidéo, etc. etc. Et bien, je dirais qu'on a 4 grandes missions. La première mission, c'est de concevoir tout ce réseau, savoir où vont passer les fameuses autoroutes et les fameuses départementales, donc pour nous, plutôt les câbles à fibre optique, en étant le plus optimisé possible, voilà, pour aller à la fois le plus vite et puis pour optimiser nos investissements sur le réseau. Donc on a une phase de conception du réseau qui se déroule plutôt en bureau d'études.
Si je faisais une analogie, c'est un peu le travail que font les architectes hein, quand ils commencent à concevoir la maison. La deuxième phase, une fois que les plans sont sortis du bureau d'architecture, bah, c'est plutôt d'aller construire lui-même le réseau. Et donc, je pense que tous les Ariégeois ont pu constater ces derniers mois, ces dernières années, depuis 2018, beaucoup d'entreprises qui travaillent au bord des routes, qui soit plantent des poteaux, soit ouvrent des tranchées pour y passer des fourreaux puis des fibres optiques, soit tirent des fibres optiques dans des réseaux existants, ou alors aussi posent ce qu'on appelle des armoires de télécommunication, qu'on appelle des points de raccordement optique. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure de vous rendre sur un site pour voir à quoi ressemble une telle armoire. Donc, deuxième mission, la phase de construction. Cette phase de construction, elle est actuellement en cours et pour donner un grand chiffre, elle est à peu près terminée à 60%. Et d'ici fin 2025, elle sera terminée à 100%, ce qui permettra à tous les Ariégeois d'être raccordables à la fibre optique. Troisième mission, une fois qu'on a construit ce réseau, il faut l'exploiter. Ben, de temps en temps, ça arrive qu'il tombe en panne, qu'on ait par exemple un poids lourd qui arrache une fibre, la tempête, de la neige collante, des choses comme ça, voilà, des aléas du réseau qui sont parfaitement normales. Mais derrière, il faut évidemment, nous, qu'on répare le réseau au plus vite pour rétablir le service aux Ariégeois et pour que le service soit de la meilleure qualité possible. Donc, troisième mission, une phase d'exploitation. Et puis, on a aussi une grosse activité commerciale, puisque je le disais tout à l'heure, on vend des prises en gros à des opérateurs. Et donc, on a une phase de négociation avec eux, déjà pour les faire arriver le plus rapidement possible, faire en sorte que tout se passe bien sur leur arrivée technique sur le réseau, pour qu'eux aussi puissent fournir le meilleur service à leurs clients en Afrique. Voilà, là on est devant une armoire de télécommunication qu'on appelle un point de mutualisation optique. Ces armoires, on en aura environ 300 sur le département de l'Ariège. Une armoire comme ça, elle va regrouper entre 300 et 400-500 clients environ. Ça aussi, c'est absolument sans impact sur la qualité du service qui est fourni aux utilisateurs finaux. Qu'on soit connecté sur une petite armoire ou sur une grosse armoire, c'est absolument transparent. On a le même débit, la même qualité de service. On n'a ni plus ni moins de coupures que si on est connecté sur une autre armoire. Ces armoires, elles sont implantées pour réutiliser au maximum les infrastructures existantes, notamment les infrastructures de génie civil. Et donc, sur cette partie-là de l'armoire, qu'on appelle la porte droite, c'est ce qu'on appelle la partie distribution. Et sur chaque connecteur ici, va partir une fibre optique regroupée dans un même câble qui va connecter toutes les maisons qui sont là autour de nous et les maisons un petit peu plus grandes. En termes de distance, entre un central téléphonique tel que celui qu'on l'a vu et la dernière maison la plus loin, on va avoir au maximum de l'ordre de 20 km. Et ça, c'est aussi sans effet sur le débit qui va être proposé aux utilisateurs. On habite juste en face du central téléphonique, comme c'est le cas ici, ou à 20 km, on a absolument le même débit. Ça, c'est un gros avantage de la fibre optique par rapport au réseau cuivre. Quelque part, c'est un outil d'égalité territoriale. Ça, c'est une prise. Donc aujourd'hui, il y a 60% des logements, des habitations, des commerces, des entreprises qui sont déjà raccordables à la fibre optique. Et l'objectif d'ici 2025, c'est d'arriver à 100%. Voilà. Donc un phasage très précis, voilà, qu'on aperçoit sur la carte ici avec différentes couleurs, qui est très très bien respecté. 2018-2020, première phase, 2021-2023, deuxième phase, et puis la dernière phase qui arrive en 2024-2025. Tout ça pour concentrer les entreprises sur des zones géographiques, éviter une trop grande dispersion, et plutôt mutualiser les moyens pour dire quand je commence une zone, je fais tous les travaux sur cette zone-là, et uniquement quand j'ai terminé, je peux attaquer la zone d'après. Alors du coup, évidemment, tout le monde ne peut pas avoir la fibre optique du jour au lendemain. Il faut bien comprendre que c'est un projet d'une très très grande envergure qui nécessite beaucoup de moyens humains, financiers, techniques, d'approvisionnement aussi. Et donc, ben voilà, il y a des gens qui ont été servis en 2018-2019, des gens qui le seront en 2024-2025. C'est normal, on essaye d'aller le plus vite possible. Simplement, ben voilà, il y a une capacité d'entreprise, de travaux, qui fait qu'on est obligé d'avoir un phasage comme ça sur plusieurs années. Encore une fois, aujourd'hui, quand on regarde le rythme de production, ce phasage sera tenu. Alors, la partie centrale de l'Ariège, tout ce qui est Vintenac, où nous irons tout à l'heure, la Bastide de Céroux, la zone de Ferrières ici, voilà, Saint-Paul-de-Jarat, tout ça est déjà éligible. On a ouvert ensuite Saint-Giron-Lavelanet. Voilà, et puis aujourd'hui, on voit que les travaux avancent bien aussi sur la partie Haute-Ariège. On était il n'y a pas très longtemps à Tarascon, sur Ariège, qui est à ouvrir. Les travaux sont démarrés sur Aix-les-Thermes. On n'est pas très loin d'ouvrir non plus la zone de Mirepoix. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Le mieux pour ça, c'est de rentrer sur notre site web où chaque point est identifié. Il y a un système de couleurs qui montre l'avancement des travaux. Voilà, et quand on est raccordable, que les travaux sont terminés, le point passe vert et à ce moment-là, on peut contacter son opérateur.
Pourquoi la fibre ? Alors effectivement, on parle beaucoup de fibre et il faut bien sûr évidemment s'intéresser à quels sont les avantages. Pourquoi on déploie cette fibre pour l'ensemble des Ariégeois ? Et on peut le dire aussi pour tous les Français, j'y reviendrai un petit peu après. La fibre, c'est évidemment déjà beaucoup plus de débit, voilà, par rapport au réseau cuivre qui n'avait pas été au départ, dans les années 60-70, pensé pour apporter des débits forts. La fibre, c'est 10 fois, 100 fois plus de débit qu'un réseau cuivre. Ça, c'est extrêmement intéressant, que ce soit quand on télécharge des fichiers, que ce soit pour le travail ou pour le loisir, ou aussi lorsqu'on envoie des fichiers, là encore une fois, pour le travail. Je pense par exemple à un architecte qui va envoyer des plans parfois à l'autre bout du monde. Un plan, c'est très très gros, un plan d'architecture. Il va mettre quelques secondes pour envoyer ce plan en France ou partout dans le monde, là où avec le cuivre, il mettait parfois 5 minutes, 10 minutes, et puis même de temps en temps, c'était tellement long que ça finissait par bugger, comme on dit parfois. Voilà, donc ça c'est très important, et du coup ça ouvre tout un éventail de nouveaux services. Évidemment, on sort de la crise Covid, et on a vu à quel point le télétravail était important, et le télétravail c'est quand même beaucoup mieux quand on a la fibre, voilà, que ce soit pour faire des visioconférences, on est toujours beaucoup mieux servi avec une qualité d'image, beaucoup moins de bugs quand on a la fibre optique. On peut parler aussi de ce qu'on appelle la latence. La latence, c'est un peu le délai qui va se passer entre le moment où vous cliquez sur le bouton et le moment où les choses arrivent. C'est très important pour les gens qui font notamment du jeu en ligne. Et c'est important aussi les loisirs. Voilà. La latence, elle est fortement réduite avec le réseau fibre optique. Quelques grands chiffres. Donc, il y a 301 communes à faire en Ariège. Les études sont démarrées, voire terminées sur 280 communes, pour vous montrer un petit peu l'avancement du projet. Les travaux sont même terminés sur 165 communes. Alors terminé, il peut rester toujours une petite difficulté à droite à gauche. Par exemple, un syndic de copropriété qui ne nous aurait pas encore donné son accord. D'ailleurs, j'en profite, si des syndics nous regardent, on est toujours preneur de votre accord pour installer la fibre dans les copropriétés. Il n'est jamais trop tard, on fera certaines relances. Donc si certains veulent nous contacter pour installer la fibre, on est à leur disposition. Quelques grands chiffres, comme ça je me suis amusé un petit peu à trouver des parallèles. Il y a eu 4000 km de câbles posés, c'est à peu près la moitié de la distance entre Foix et Pékin. Et quand on regarde en fibre optique, parce que dans un câble, il y a plusieurs fibres optiques, il y a à peu près l'équivalent de la moitié de la distance Terre-Lune qui a été déployée en Ariège.